Voilà, Hanoï, les petites rues d'Hanoï, la capitale du Vietnam. Non, s'il est mal roulé, je ne le prendrai pas. Ah bon? Comme ça. Quanquin, c'est le quartier. C'est le lac Hoan Kiem. C'est le quartier antique qui s'appelle Hoan Kiem. Dans Hanoï. Oui, c'est l'explicatif du lac Hoan Kiem, mais écrit en vietnamien, ce qui n'est pas évident. C'est une pagode bouddhiste au milieu du lac, mais c'est impossible à y aller. Ça c'est un bonsaï qui doit avoir 300 ans, 200 ans. Regarde comme il est gros. Et donc ça s'appelle le lac des tortues, c'est écrit en français, regarde. En français, non, c'est écrit en français. Ça, je me recule un peu. Le lac de l'épée. Et voilà le temple bouddhiste du lac de la tortue. Elle transporte des liasses d'argent. Oui. Attends, il y a une... C'est des offrandes à l'argent. La calligraphie vietnamienne. C'est un temple bouddhiste, toujours. Il doit y avoir une raison. Ça, c'est ce qu'on appelle un joli bonsaï. Et très vieux bonsaï. Il est magnifique. Regarde, les dons à Bouddha vont même dans le lac. Ils ne se sont pas envolés. Voilà Hanoï, 7 millions et demi d'habitants, on est en plein centre. Alors ils brûlent même des billets, allez, ils comprennent quelque chose. On demandera à Van. Bah oui. Mal, hein. Tu la prenais en photo. Évident. Là, c'est carrément typique. Hein. Ouais. Ça, c'est les travailleurs, elles ont toutes les mêmes tenues oranges en mode. Oui, tout à fait. Ah, d'accord, carrément. Voilà. Ouais. On y sera demain. On y sera demain. À la vie d'Alain. Extraordinaire. Ah oui, d'accord. La circulation impressionnante. Et ça klaxonne. À 10h du matin. À 10h du matin. Impressionnant. Ça s'appelle un Kaigao. Voilà la poste centrale d'Hanoï. Beau bâtiment. On se fera traduire le mot après. C'est une fête 2017. 30e place. Quartier Hoan Kiem, c'est ça? Oui, quartier central de Hanoï. Et là, le quartier romain. Alors,
Voilà comment on mange à Hanoï, dans les petites ruelles. Mais les Français sont toujours présents. C'est l'opéra d'Hanoï ici. Toujours au centre d'Hanoï. Une belle rencontre avec la rue des Chats, le musée national de l'histoire du Vietnam ici. On va rentrer. Alors l'ouverture, c'est de 8 à 12 et de 13h30 à 18h. Les trottoirs sont réservés aux scooters. On voit qu'on peut la prendre. Les scooters partout. La librairie nationale du Vietnam avec fin janvier, encore un magnifique sapin devant la porte. Voilà l'ancienne prison centrale d'Hanoï. Donc d'après la date, c'est une prison qui a été créée par les Français et abandonnée par les Français en 1960. C'est le quartier de l'électronique, effectivement. Alors ici, les piétons, ils marchent au milieu de la route par obligation. Ni d'un côté, ni de l'autre, il est possible de marcher. Voilà la vie calme d'Hanoï avant la sortie des usines. C'est le diocèse catholique d'Hanoï. Voilà la cathédrale d'Hanoï. Elle aurait besoin d'un bon ravalement. C'est la cathédrale Saint-Joseph, protégée par la Sainte Vierge ici. Et encore les Français qui se sont installés. Et les petites japonaises. C'est bon. Toujours la cathédrale Saint-Joseph sur l'arrière. C'est une imitation de Lourdes, ça. C'est tout l'évangile rassemblé sous une sous cette sculpture. Hein. Les tables de la loi. Jusqu'à la Seine, en partant de Noé. Hein. Et le lotus populaire. Voilà le théâtre de marionnettes hein, au bord du lac. Alors Mimi est à la banque. Elle essaie
de traiter des euros en donc. Et dans la banque ici, eh bien ici, on a même des scotters dans la banque. Sur la ville. Coucou. Il y avait de chance ou pas? Alors on essaie de passer. Alors on tente le coup. On essaie de passer. Attention. Attention. Petite fleur. Comment il s'appelle l'hôtel ici? Emerald Water. Emerald Water. Hanoï. C'est des tailleurs sur marbre blanc. C'est splendide ce qu'ils font. Ah, c'est bien ciselé et bien fait. Voilà la première étape. Comment il s'appelle ce quartier? Alors là, on est dans la rue Odang, Odao. Là, on est Annang. Et c'est le quartier des. Là, c'est le quartier confection, apparemment, ouais, des textiles. Quartier du textile. Le quartier des 36 corporations. Mais eux, ils appellent ça tous shopping. Des artisans. Là, ils appellent ça shopping et il y a des rues qui se aussi. La rue Dong Xuang, en plein centre d'Hanoï. Allez, on va visiter, on est parti. Si on arrive à traverser, parce que là c'est autre chose. Hein. Voilà, on est sur un passage coupé. Regardez le résultat, regardez. Attention. Ah, là il y en a un trou. On a un trou. On a un trou. Attends, on ne peut pas passer. Là, c'est ça qu'ils achètent pour le brûler. Ils achètent pour le brûler, ça doit être une fête. Hein. Ils achètent. Voilà. Il était éteint, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, passons rouge. Un petit restaurant. Ça, c'est pour les piétons. Les voitures sur les trottoirs, on ne peut plus passer nulle part. On est toujours sur la bonne avenue. Allez, on va essayer de passer. Voilà, aujourd'hui, c'est la fête de la Révolution. Tout le monde brûle des trucs.